Hello, j'étais obligée de vous parler de la peur de l'abandon qui se traduit souvent pendant un appel de vente, par exemple. Au moment où vous annoncez son prix, vous annoncez votre prix, vous avez terriblement peur de la réaction de votre client et vous avez peur qu'il ne puisse pas se permettre de financer votre offre d'accompagnement. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Vous avez peur de l'abandonner dans sa souffrance, c'est-à-dire de ne pas pouvoir l'aider parce que votre prix est trop haut. Et vous vous dites intérieurement, à cause de moi, comme je m'affirme, j'affirme ma valeur et j'augmente mes tarifications ou alors mes prestations valent ce prix, alors mon client ne peut pas guérir de sa souffrance et je l'abandonne et je suis quelqu'un qui est méchant et je suis coupable de sa souffrance. Et du coup, ça va en venir, enfin, ça va faire que une forme de culpabilité, vous allez vous sentir responsable de la souffrance de votre client parce qu'il ne peut pas se permettre de financer votre prestation. Et ça vient d'un sentiment interne, de la peur d'abandonner l'autre dans sa souffrance, et que si on abandonne l'autre dans sa souffrance, ben on n'est pas quelqu'un de bien. Et du coup, ça va avoir un véritable impact sur votre capacité à affirmer votre de tarification et vous sentir complètement fluide et confiant et déculpabilisé du prix que vous demandez.